J'espère que vous allez bien, toujours bien. Bon, on se retrouve pour un petit haul à AliExpress. Alors, ça arrive au compte-gouttes. Oui. Alors, aujourd'hui, j'ai eu le rose. Alors, ça vous fait rose, mais c'est plus foncé que ce qu'il y a dedans en fait. Donc à chaque fois j'ouvre parce que je me dis quelle couleur est-ce bien la bonne couleur? Donc voilà, c'est pour faire des extensions. Et j'ai le rose normal. Voilà. Donc, un de ces jours, je vais tout réunir. Je vais faire une démo extension. Par contre, avec les capsules, il faut en mettre plus par-dessus parce que bah, c'est trop fin. Voilà, donc ça sert de base, si vous voulez. Après, faut en remettre par-dessus parce que vraiment, vraiment, c'est trop fin, ça s'est cassé. Pratiquement immédiatement. Donc, si on fait rien, ok, mais si vous êtes comme moi, vous mettez les doigts dans la machine à laver et puis paf, l'onglet saute. Vous vous dites, l'autre, qu'est-ce que ça va faire? Oui, c'est des nouveaux. Oui. Avec comment Betty Boop. Si, si, c'est Betty Boop. Bon, enfin bon. Et puis la petite déco, c'est moi qui l'ai faite. Ah oui, je fais tout. Donc voilà, la prochaine commande, ça va être pour la déco des ongles. Là, je vois qu'il me manque un strass. C'est déjà. Je les ai mis hier soir. Et rien qu'en dormant, bah tiens, j'ai encore un nœud cassé. Enfin bon, il faut coller les nœuds comme il faut parce que sinon ça se casse. La pâte huit mauves, c'est fragile. Hein. Donc je vais attendre. Ah si, je vais vous montrer ma technique pour les enlever. Tiens, allez hop, on va se baisser sur mes mains. Ma technique pour enlever le nœud qui est cassé, c'est en fait de le prendre de l'autre côté. Vous voyez, ça se soulève tout seul, j'aurais dû le coller. Et comme ça a été collé qu'au milieu, ben ça se casse. Hop, voilà, il a sauté, je sais pas où, mais il est enlevé. Voilà. Donc maintenant, il faut recommencer. Alors maintenant, on va changer d'outil. On va prendre les petits nœuds. Heureusement que je les ai laissés à disposition. La pâte Fimo, c'est ultra fragile. Donc, si j'arrive à ouvrir. Hop là. Voilà, il faut que j'en trouve un bien épais. Bah tiens, celui-là, il fera l'affaire. Et je vais tout coller. Alors, je garde sous la main. Je pose le nœud, je prends la colle qui est à disposition parce que sinon. Après, j'aurai une colle UV. Donc. Ça ira beaucoup plus, ça sera beaucoup mieux, du moins. Je prends le nœud. Si
si j'arrive à l'attraper assez rapidement, ça serait bien. Système D. Voilà. J'ai mis de la colle partout pour qu'il soit bien collé. Donc voilà. C'est réparé. Alors, système D, vous mettez un peu de salive sur la chose que vous, avec laquelle vous voulez attraper la petite chose. Ou alors de la bave d'escargot. Où est-ce que je l'ai mis, ma bave d'escargot? Je ne sais plus. Enfin, ça sert bien. Alors, mon scotch, il colle, mais il veut pas coller le. Donc, je vais m'amuser à tous les mettre en rond parce que en sachet c'est le bazar. Ça, ils sont en rond et en dessous ils sont pas rangés. Donc voilà, où est-ce que j'ai mis ma bave d'escargot moi? Enfin bon, elle est pas loin. Excusez-moi, j'ai très mal au dos. Ma pâte d'escargot. J'en aurais bien besoin là en ce moment. Alors, comme j'ai rangé, ah bah elle est là. Bave d'escargot. Alors la mienne, elle est très vieille, donc c'est du concentré. Donc ça colle super bien. Vous voyez, elle est en gel. Donc ça, je crois que j'en avais vu à Action. Je crois. Je me suis dit, tiens, j'en prends ou j'en prends pas. Je m'en sers pas. C'est vrai que je m'en sers pas pour le visage. Ça m'a servi à rien. Du coup, j'ai testé une fois. Bah tiens, ça colle. C'est bien. Donc ça, je vais le ranger. Hop, voilà. Donc, ce qui est bien avec ce vendeur, alors il faut que je retrouve le vendeur, c'est Lilycut. Lily, apostrophe, CUTE, la marque. Et bien, à chaque fois, il me met les trucs dans des sachets refermables. Donc c'est très bien. Comme ça, si ça coule dans le sachet. Et ben ça, c'est une bonne idée de mettre en sachet comme ça. Si, si. Puis j'ai encore fait une catastrophe, j'ai encore renversé l'eau. Oh lolo. Et puis j'ai ma machine qui est en train de se faire. Il va falloir que j'aille voir s'il faut pas. Oui, j'ai de l'eau partout. Donc voilà, je garde en sachet. D'ailleurs, il va falloir que je rassemble. Faudrait que je trouve une boîte. Où est-ce que je le mets dans ça? Plein de poussière, j'ai retrouvé ça, une boîte, hein,
peut dire que... Ah bah ça rentre. Je vais ranger ça comme ça. J'enlève la poussière. C'est mieux sans poussière. Ah, excusez-moi parce que je suis lente. Hein. J'ai le dos en vrac. Je me suis levée le dos en vrac. Ah, ils sont là les autres. Voilà. Hop là. Celui-là, il n'a pas de... Chaque fois, il m'envoie les trucs avec, en général, avec des sachets. Des fois, non. Ah bah, les voilà les pinceaux. Bon, il faut que je sorte les pinceaux. Hop là, qu'est-ce qui est tombé? Bon. Que je range des pinceaux à leur place et des outils. Alors là, c'est l'outil ultime. Ah oui, celui-là aussi. Hop là. Attendez, hein, je vous baisse sur mes mains après. Deux mains gauches, ça c'était vendu avec, donc je le laisse avec les pinceaux nail art. Je vais les mettre avec les pinceaux là. Voilà. Et j'ai d'autres pinceaux nail art encore. J'en ai plein. Il va me falloir un autre truc. À la pince. Franchement, je sais pas comment m'organiser tellement j'en ai. Donc, hop, je vais poser là la lime. Je la laisse là. J'ai encore un de petits tools. Moi, il me faut autre chose. Je vais libérer ça. J'ai les gants pour me protéger des UV. Je ramasserai. J'ai pas fini. Voilà. Hop, reste là. Voilà. Après, les poudres, les trucs comme ça. J'ai encore un tout petit peu de poudre rose. Et je sais pas où sont passés mes autres poudres. Elles ont disparu. Donc ça, c'est les extensions, les moules. Je vais ramasser ce qui est tombé. Et je laisse toujours le couvert
comme ça m'est plus pratique. Donc il y a un pinceau là. Voiture qui est tombée. Mon fil, ben, mon fil s'est défait. Bon, ben, je vais le laisser défait. Je vais le mettre là. De toute façon, il va y avoir besoin de charger. Voilà. Il y a tout à ramasser. Ah oui, non mais hein, si ça tombait pas, ça serait pas chez moi. Comme je le dis tout le temps. Et pourtant, je range. Bon, il y a autre chose qui était tombée. Les moules. Donc, lui, la cuticule. Ça, c'est. Je le garde pour faire des. Comme il n'y en a pas beaucoup dedans, je le garde pour faire des dessins avec la peinture, avec le vernis. J'ai pas limé, ça gêne. Donc, je disais, je vais enlever ça. Hop, comme ça, je range l'autre. Et je vais mettre mes pinceaux dedans. Voilà. Et puis celui-là, je le mets là aussi. Donc, les gants, hein, je les avais depuis très longtemps, donc ils ont des défauts. Regardez-moi ça. Le défaut qu'il a, celui-là. Il est mal cousu. Je les ai depuis des années, des années, des années. Ils étaient en sachet. Le sachet était tout collant parce qu'il y a un truc qui s'est renversé. Eh ben, le sachet, il est à la poubelle. Donc les gants, je vais les mettre hop dans la machine. Voilà. Donc là, j'ai deux sortes d'extensions que j'avais sorties. Donc j'ai quatre tubes. Le top coat mat aussi. Et les deux pattes. Donc voilà, c'est bien rangé. Je peux mettre ça par-dessus parce que c'est celle que je ferai en priorité. J'ai toujours mon truc pour essuyer. Là. Et alors, donc vous pouvez attraper, j'aimerais bien ranger. Alors j'ai pas fait la cendre du jour hein, parce que j'étais occupée. Donc ça sera pour demain. En plus cet après-midi il y a mon fils qui vient pour m'aider. Donc voilà. Pas où le mettre. Bon, il va rester là pour l'instant. Il chauffe le truc ou pas? Il a pas l'air de. Oui, non, mais c'est la seule solution que j'ai pour me calmer mon dos. À peine levée, je me suis assise, je dis oula, chauffe d'eau. Ouais, ça fait mal.
Et pourtant, je suis pas douillette. Hein. Donc voilà. Je vais vous laisser là. Je vous dis à plus. Et voilà.